Bonjour à tous et à toutes, ici Hélène Echabi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo qui n'était pas du tout, mais du tout prévue. Mon fils vient de me ramener un colis qui était dans notre boîte aux lettres. Je n'avais même pas été vérifiée parce que je ne m'y attendais pas. Il provient de Marine, le scrap de Marine. Elle a fait une vidéo hier d'un colis qu'elle a reçu de ma part pour son anniversaire. Et la petite chipie m'a dit, t'en fais pas, tu vas voir, je vais t'en renvoyer un. Mais franchement, je ne m'attendais pas qu'il soit envoyé déjà et qu'il soit déjà reçu. Donc voilà, un superbe colis vintage comme Marine sait très bien les faire. Donc je vais tout simplement tout sortir, ça va être mieux. La coquine. En fait, elle m'a envoyé sa loudie d'enveloppe avec plein de cadeaux et une petite chipie. Donc en fait, elle m'a déjà envoyé sa loutille d'enveloppe avec des cadeaux. Une magnifique carte. Encore plus beau qu'une carte postale. Et c'est vrai, j'avoue, c'est sublime. J'adore les petits tampons comme ça. Alors. Donc j'en profite. Je voulais à tout prix filmer le colis que j'ai ouvert ce midi de Josiane. Les coquines, j'arrive même pas à l'enlever. Mais j'avais tout le temps du monde à la maison. Oh là là, je vais être obligée de déchirer parce que je vais être obligée de déchirer parce que j'arrive pas du tout à l'enlever. Voilà. J'ai pas réussi à se filmer et là j'ai 10 minutes donc je fais vite pour filmer. Waouh, elle est trop belle. J'adore ça. Trop mimi. Petit papillon. Très vintage mais dans des tons que j'aime beaucoup. Il y a un petit mot. Tu es adorable, Marine. Moi aussi, je suis vraiment très ravie de t'avoir rencontrée. On discute bien toutes les deux. Ah, ça, c'est la jolie boîte qu'elle a faite à mon challenge pour le National Scrapbooking Day sur la boutique de Comptoir du Scrap. Ça, je reconnais. Toute surprise. C'est la même forme. Elle est trop belle. Marine aime beaucoup le vintage. Et franchement, je suis vraiment éblouie parce que scraper du vintage avec des couleurs rose et verte, ça donne vraiment un sublime aperçu. Vintage rose et marron comme celui-ci, je connaissais déjà, j'en ai déjà pratiqué, mais ces couleurs-là sont vraiment sublimes. Waouh, elle est trop belle. Une petite fleur à dentelle. Plein de petits tamponnages. Wow, en plus, c'est les tamponnages à carte postale. Oui, que tu as mis sur l'enveloppe. Once upon a time. Les papillons, j'adore. Elles sont belles, tes enfants, dis donc. Les éventails. Des clés. Elles sont sublimes. Et des chipboards. Oh, c'est les chipboards action que j'ai pas trouvé en fait. La grosse clé. La tour Eiffel, je sais plus comment ça s'appelle, la théière, oh, il est trop beau, j'adore, le vélo, oh, merci ma belle, t'es adorable, c'est trop beau, il y avait ça, donc je sais pas si c'était attaché, tu me rediras si c'était attaché à la loupe d'enveloppe, mais je pense pas parce que je vois pas de ficelle, donc, je pense que c'était à part. Une petite bobine altérée. Elle est trop chou. Elle a des toutes petites fleurs. Fleurs un peu en plastique. Elles sont belles. Donc je pense pas que c'est attaché. Et la fameuse loupe d'enveloppe. On va décaler. Et hop. Oh, elle est magnifique. Elle est bien bien remplie. Hein. Donc, un beau papier de Paris. Il est sublime ton papier. Ton papier est vraiment superbe. Ancien. J'adore ça. Ça, je m'en rappelle de l'avoir vu dans des vidéos de chez Action. Et franchement, je ne pensais pas que ça allait rendre si beau avec l'image à l'intérieur.
Ces petites fleurs-là sont sublimes. Vraiment, tu as beaucoup, beaucoup de goût. Une petite épingle. Trop belle. Et là, il y a une petite pince avec un pompon en papier. Hop, je vais la prendre ces dessous. Je pense que j'avais pas mal à voir, hein. Un petit tag avec l'effet couture autour, j'adore. Je sais pas si tu fais ça avec une machine, c'est très beau. Le papier est déjà sublime en lui-même, alors. Une petite enveloppe avec des merveilles dedans. Donc il y a des coins et deux fleurs que tu as faites. Elles sont sublimes. Voilà, je suis gâtée. Je suis gâtée. Un autre petit tag. Sont vraiment super petits tags. Et j'adore tes petites fleurs. Je pense que tu les fais toi-même avec une petite perfo. Elles sont trop belles. Oh, deux fleurs faites à la main. Dans une petite pochette faite maison. Un petit papier. Waouh. Des tout petits nœuds. Ils sont trop mimi. C'était une coquine, hein, parce qu'hier tu m'as dit ça arrivera bientôt, la lune des enveloppes, mais en fait, je n'ai pas vu si c'était posté quand, parce que ça arrivait vite en fait. Je regarde sur le colis en même temps. C'est parti le 24. Bah oui, nous sommes le 26 déjà, c'est vrai, le temps passe vite. Une petite enveloppe avec des petites étiquettes et des petits tags. J'avoue que l'instant présent, bonheur. C'est trop beau. Du coup, j'ai fait la vidéo vite fait parce qu'en plus, je ne sais pas si Marine va en faire une ou pas. Marine est une fan des vidéos. C'est chérie, Marine. Mais c'est vrai que tu as un rythme infernal, c'est incroyable. J'aimerais bien pouvoir en faire autant que toi. Oh, j'adore ça. En fait, elle a mis un petit brad avec une dentelle. Ça fait un très joli embellissement. Libre comme l'air, le. Sont sympas tes embellissements, ils sont tout petits, tout mignons. J'adore les lolis d'enveloppe parce que quand il n'y en a plus, il y en a toujours en fait. Et c'est serré de chez serré. Hein. Ah, oh là là. C'est magnifique. Ton petit éventail que j'avais vu dans une de tes vidéos aussi rend trop bien. Il est magnifique. Ah, je suis fan de tes petites fleurs là. Les grandes rosaces, un petit moulin à vent. C'est très original de mettre les quatre dans la même pochette. Oh. Petite étiquette qu'elle a découpée, qu'elle a ancrée. J'adore. Cette collection est sublime. Oh, Only This Love, je ne sais pas de chez de qui, mais de vert et rose comme ça, j'adore. Oh. Oh, merci beaucoup. C'est un tampon, naturellement. Faut que je mette un papier derrière pour mieux le voir. Voilà. Il est magnifique. Bordure ici est trop belle. Wow. Les petites bordures sont sublimes. Il y a le grand cal là, avec le chandelier. Superbe. Suis vraiment très gâtée. Et nous arrivons à la fin. Et j'ai vu qu'ici, il y a une petite trombone altérée. Je pense qu'on peut l'enlever. Je ne voudrais pas faire de bêtises, mais elle s'enlève. Je pourrais la réutiliser. Petite trombone altérée avec une fleur. La même fleur que sur la petite épingle altérée. Merci, merci beaucoup, Marine. Oh, il y avait un petit moulin à vent. Je ne sais pas d'où il est tombé, celui-là. Sur une petite trombone aussi. C'est comme celui-ci, en fait. Merci beaucoup, ma belle. Vraiment, ah, j'adore le petit fanion sur la petite épingle. Oh là là, tu m'as vraiment beaucoup gâtée. Et je vous montre la pochette. On la voit mieux qu'une fois qu'elle est vide. Elle est sublime. Elle est superbe.
Merci, merci, merci beaucoup. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais en train de planer dans mon canapé. Mon fils, il me dit, t'as un colis de marine. Ah, je dis, oh là là, super, un colis de marine. Ça tombe super bien. Ça fait vraiment du bien. Je savourais ces belles choses. Je suis ravie d'avoir fait cet échange avec toi et j'ai vraiment hâte de t'envoyer encore un colis. Moi non plus, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai une petite chipie, mais moi aussi. Donc à bientôt pour un nouvel échange, Marine. Je te fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Bye bye.